Bonjour à tous et bienvenue dans un tuto dédié à la gestion des prêts relais sur Global Courtage. Un simulateur est disponible sur votre plan de financement, mais il faut avoir au préalable renseigné quelques informations concernant le bien actuel de votre client ainsi que ses prêts en cours. Première étape, sur la page Données clients et projets, avoir renseigné toutes les informations du bien, notamment sa valeur. À noter que vous pouvez détailler cette ligne à l'aide du plus à gauche afin de pouvoir renseigner l'adresse du bien. Il faut également avoir complété la rubrique prêt en cours, sans oublier de lier ce prêt au bien précédemment créé et d'indiquer le montant du CRD. Vous pouvez désormais vous rendre sur votre proposition pour la deuxième étape. Une fois que vous avez précisé le coût du futur projet de votre client, vous pouvez sélectionner dans les types de prêts le prêt relais. Une aide au calcul est disponible via ce simulateur. En sélectionnant le bien concerné par le relais, tout sera calculé automatiquement. Reste à votre charge et suivant les banques d'inclure ou non le CRD dans le prêt relais et de préciser sa durée. Une ligne de prêt sera créée automatiquement avec une échéance qui sera différée dans 11 ou 23 mois suivant votre précédente saisie. Reste à créer une ligne de prêt supplémentaire et d'indiquer les informations manquantes. À noter que si le CRD est coché comme inclus dans votre prêt relais, la case repris du prêt en cours concerné sera automatiquement cochée et le montant correspondant au CRD sera quant à lui intégré directement dans les coûts du projet. Merci d'avoir suivi ce tuto et bon business sur Global Courtage.